Oh putain. Oh mais non, je suis au zombie quoi. Ouais, ça me fait chier. Oui, c'est juste pour vous prévenir, j'ai un gros mal de crâne du coup. Ma bagnole était du côté de la Pacifique et je me retrouve aux zombies donc. Je Très vous bien, préviens dès que bah j'ai récupéré ma caisse. pas de soucis, ça roule, à À toute. toute. Et coucou tout le monde, on commence direct sur un petit souci technique. Petit crash de mon jeu là qui fait que je me suis fait éjecter. Bon, du coup, ça fait chier quoi. J'étais pratiquement arrivé à la Pacifique là. C'est simple, j'ai crash là. Donc, ouais, va falloir que je joue avec le taxi pour qu'on aille là-bas. Ils sont verts. Du coup, pourquoi j'ai lancé un stream là à l'arrache? C'est très simple. J'ai eu un contact des maths, du coup, je dois aller leur acheter des trucs et donc on va pouvoir vendre ça derrière. Ça, vu que ça va être une activité nouvelle pour Ezrune, autant en profiter. Écoute, en attendant, je vais aller vite faire donc à côté. On va se récupérer 2000 balles. Ça me dégoûte quoi, j'étais v'là loin et ouais, putain de mal de crâne. Je suis deg. En plus, j'aime pas faire attendre les gens de base. Qu'autant dire que faire attendre quelqu'un comme ça, on me retrouve à l'autre bout. Petit taxi. Taxi en face. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, je vous amène où? Alors, si ça vous dérange pas, on va déjà aller voir là si ma voiture est dans le compas. Alors, Sinon, on... 71 04, hop, 383, ok. Sinon, bah, on ira. Faudra me déposer à la maison qu'un tout petit peu plus loin. Attendez, je regarde par où je passe parce que j'ai pas envie de Là, c'est un couper. chemin de terre, ouais. Ouais, c'est pour ça, je vais prendre la. Je vais repasser pour prendre la freeway par là-bas. Ça m'arrive presque jamais les maux de tête comme ça, mais là, ouais, c'était violent.
Est-ce que vous avez un code entreprise ou quelque chose comme ça après pour régler la course? Non, du tout. Donc attendez, hop, je regarde en même temps le tarif. Hop, 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 pour vous prévenir. Donc là, si on reste, si on trouve votre voiture à cet endroit-là, ce sera $800. D'accord. Eh ben, ça aura pas été ma journée, hein. Parce que tout à l'heure, je suis passé à côté de la Fuente, je me suis pris, j'ai à peine touché le cul d'une voiture, j'ai pris les airbags dans la gueule. Mm. Donc voiture indispo pour une heure. Du coup, j'ai dormi à côté du zombie. Et puis bah là, à peine réveillé, je redescends pour aller chez moi et finalement, mal de crâne, allez hop, tu retournes là-haut. Ah, c'est vraiment con, ouais. Ça va, la journée se passe bien de votre côté? Ah ben, bah, je viens de revenir. Je travaillais peut-être une heure ce matin, là, et là, je viens de revenir. Je pense que je vais pas rester longtemps, trop longtemps non plus, mais comme ça, je travaille un petit peu. Oui, bah, faut pas trop en faire. Hein. C'est ça. Moi, bon, j'ai déjà beaucoup bossé hier, donc... Donc aujourd'hui, je lève le pied. Eh ben, vous avez bien raison. Ouais, bof, j'ai envie de dire, en vrai, je suis à deux rues de là après, donc si jamais je courrais, c'est pas grave. Et je me dis, sur un malentendu, il y a peut-être du monde dans le coin qui aura pu voir. Il y a du monde voiture, au taxi, donc si votre voiture, si elle n'a pas continué trop loin sans vous, elle devrait être pas loin. Bah, là, déjà, la question, c'est est-ce qu'elle était verrouillée? Non. Bah, elle a l'air d'être là. Ah bah ouais, c'est ma voiture. Eh ouais, parfait. Nickel. Un coup de chance. Bah du coup, pas grand-chose. Bon, attendez, je vais aller couper le contact. Tac, tac, tac. J'avais dit 4 km, $800. Hop là, je vous fais la facture tout de suite. J'ai au moins un petit coup de bol dans ma vie. Voilà, s'il vous plaît. Et voilà. Merci. Et bonne journée, à bientôt. Merci, bon courage. Merci à vous aussi. Bon, attends, je vais retirer ce qu'il me fallait. Ah, ouais. Ouais. C'est vrai que ma lettre, je peux pas après. Ouais, Zwin. Oui, c'est bon. C'est bon. Bah, du coup, j'attends la position pour pouvoir l'ajouter ouais, à mon GPS et après, genre, après, je retire. Ouais, tu... Parce que si je retire, je peux plus voir mon téléphone. C'est ça, c'est ça. Mais comment ça bouge bah, oui, du coup, comment ça. Ouais. Ok, non, t'inquiète, j'ai compris. Je t'envoie une pause. Allez. Ok, merci. Allez-y, allez-y. Bah mais le problème c'est que si je prends une... Si je prends la manette après je peux plus... C'est le truc qui est un peu chiant. Vu que je suis solo, j'ai pas trop le choix. Bon, au moins l'avantage c'est que
Là, c'est la première fois, donc c'est chiant, mais après, les prochaines fois, c'est du sel que je leur ramènerai. Donc, je pourrais le mettre dans le coffre et il n'y a pas de problème là-dessus. En attendant, on va faire un truc. En attendant. C'est quelle vitre? Ah, c'est la vitre arrière, capitaine. Tac. Bon, de toute façon, il fait beau, donc. Bon, après niveau essence, je vois de quoi faire, ça y a pas de soucis. Zombie 80 quoi? D'accord. C'est quand ça? Samedi? Tac 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 tac. Oui. Fais gaffe de pas airbag ce coup-ci. Il y a un truc que j'ai peur, c'est le poids. Et coucou! Eh oui, exactement! Exactement, oui.
Deux, ben et quoi? On vient faire de la moula, hein? Ouais, franchement, j'espère vraiment que je vais avoir assez de place, sinon je vais passer pour une con encore. Oui, tu peux demander, y a pas de soucis. En fait, c'est un prénom qui est islandais. C'est, je cherchais un prénom pour mon perso qui soit vraiment atypique, qu'on n'ait pas l'habitude. Et je m'étais dit, tiens, je vais regarder les prénoms islandais. Et du coup, en regardant, j'ai vu celui-là, j'ai vu, oh, il est pas mal. Je le trouve vraiment beau. Alors là, je pourrais pas t'en dire plus. Je t'avoue que j'ai juste regardé vite fait sur Google, j'ai trouvé, j'ai vu, j'ai fait, ah, ouais, tiens, allez hop. Ashwin, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, oh, tu peux descendre ici, tu peux descendre ici. Ok. Hein. J'avais dit du off-road, il me semble. T'as peut-être pas vu. Non, j'avoue que... Je vais te donner tout ça. T'as de la place sur toi? Si t'en as pas, prends un sac dans la voiture. Je vais t'en prendre ça. Merde. Oh. Je vais te mettre ça dans ta caisse, j'ai l'impression. Hein. Ah. Trop de trucs dans les poches. 30 kilos. Ah, bon. Ouais, ça va passer juste. Tu vas donner la mallette à un mec qui est sur ma droite là? Oui. Bon, attends, je lui donne là. Comme ça, bon. Hop. C'était 35, c'est ça? Ouais, je sais pas du tout. Nickel. Bon, ils m'ont rien dit. Hein. Bon, écoute, tiens. Bon, attends, celui-là, je vais leur demander. On lui demander comme ça, moi. Bon. 35. Oui. Ah, ok, bah c'est tout bon. Voilà. Okay. On va avoir la place dans les poches du coup. C'est ça. Ouais, c'est de la qualité de fou. Le petit mal de crâne à la con là, ça m'a pas aidé. Ouais, t'inquiète. Fais gaffe du coup parce que le reste est dans le coffre. Ouais, j'ai vu, y'a pas de soucis. Parfait, bah tu sais quoi, tu vends ça, tu m'en diras des nouvelles, il va être très content. Tu vas faire ouais, des accros. Ouais, y'a pas de soucis, je vous retiens au courant. Ça roule. Si tu nous ramènes ce que tu récupères, ça nous arrange et on te le fait à 60-40. Ouais, bon, y'a pas de soucis, hein. De toute façon, c'est vous qui fournissez, ça vaut que j'échange, ça me paraît logique. Hein. C'est parfait. Et bah à toutes. À toutes. J'ai éclaté mon pare-brise au passage, tiens. Il va falloir que je me la répare, la caisse.
Je vais déjà passer à la maison. Ah, mais je me doute bien que ça pique la curiosité en aussi atypique que ça. Merde. On n'a rien vu. Waouh, mais c'est quoi ce délire là? Il se passe quoi sur le cerf pour qu'il y ait autant de dingueries? Par contre, du coup, le petit coup du off-road là, ouais. Et je pense que le message il est arrivé juste après que j'ai récupéré le pognon. Bon, bon, moi c'est cool, je vais avoir des nouveautés à faire. En plus de ma tournée de sup et autres, hein, que j'aurai à me taper. Ça, c'est parfait. Donc là, on va rentrer déjà à la maison, déposer le stock. Vu qu'il faut que j'aille au pénis, je vais tout déposer, comme ça je vais aller faire réparer la caisse. Et après je m'occuperai d'aller faire la vente. Mais là en soi, si je peux réussir à vendre tout mon stock direct, ce sera top. On va prendre ça, voilà. D'ailleurs, il faut voir un truc. 6, 40, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est 300 grammes le truc. Je vais noter ça dans un coin. 100 petits grammes là.
Hop, j'ai ma compta à côté. Hop. Là, donc là on est 300. Allez, let's go. Ah oui, par contre, ouais. Effectivement, il arrive un peu tard. Oh, moi, tu me dis que j'ai de la moula à me faire. Je peux y aller sans hésiter. Tant qu'ils peuvent me fournir, moi, je fais des... S'ils me mettent pas un quota... Je vais faire des allers-retours avec eux. Et bonjour. Et bonjour. Une petite seconde, on ressort les vitres. Voilà. On fait tout réparer. Hop. Exactement. Et une classique. Allez. Et voilà, hop, je suis fait la facture. Hop, je suis dessus. 305 dollars, s'il vous plaît. Et... Et s'il vous plaît. Et voilà pour vous. Et merci. Mais de rien. Et bonne journée à vous. Bon, on rentre à la maison, on prend le 4x4, on met tout dedans et on va pouvoir les vendre en toute tranquillité. Par contre, toi, je vais te ranger. Voilà.
Quoi que je vais me changer. Pour rester avec ce tenue là. Hop, voilà, tenue décontracte. Bon, je pense que par là-bas ça devrait le faire. Bon, par contre, faut que je trouve un coin de grain à la bagnole. Déserte la rue. Hein. D'habitude, il y a plein de monde quand je viens. Ouais, tiens. Premier parking là. Parce que ouais, même là, d'habitude, devant ce truc là, il y a plein de gens. Ok, je suis là. Je suis en dessous aussi. Faut peut-être que j'attende qu'il fasse un peu plus tard. Check les magasins, voir. Ouais, ça me fume. D'habitude, il y a 3 tonnes de PNJ qui traînent dans la rue, là, et... Là, la rue, elle est déserte, j'en vois même pas, hein. Attends. Les avoir sur moi et prendre le risque d'une amende, même s'il n'y a aucune raison qu'ils me fouillent, que de les avoir dans ma caisse et que je me prenne un airbag et que j'ai l'air d'une conne après. Je me dis, je devrais peut-être faire ça en deux fois. Faire une tournée de 50, une première tournée de 50 et une deuxième. Ce sera peut-être mieux. Ouais, je vais faire comme ça plutôt, deux tournées de 50 tranquille plutôt que faire tout d'un coup. Parce qu'au moins, s'il m'arrive une couille, j'en sauve au moins la moitié. Je perds pas tout quoi.
Je connais pas du tout les risques que ça peut que je peux avoir dessus. Et si je pouvais ne pas avoir mon sac dans le dos, pendant que je transporte, ça m'arrangerait aussi. Hop, sur le balcon. Mais par contre, c'est quoi cette ville morte là? Mais c'est pas possible. Non mais en fait là, y a pas un PNJ en ville. Oups, j'avais pas le micro que 4. Il n'y a pas un pécor. Où ça pue ça devant? Bon, ça va.
Non mais il y a un truc. Tu te fous de ma gueule là. T'as 2-3 pélos qui tournent. Merde. Non mais écoute, on va retourner là-haut et puis on va attendre tranquillement. Parce que là ouais c'est... pas beaucoup de pélos quoi. Et bon, le problème de rester dans cette zone de l'aéroport que j'ai pas méga fan, c'est qu'en fait, il y a les habitations des nouveaux arrivants et que... bon, y a beaucoup de passages, quoi. Enfin, tu me diras, en soi, là où je veux regarder, il y a du monde aussi. Mais... par contre, ouais, c'est le fait de voir personne là, dans la rue, c'est... surtout que là... oula. Ils ont dû croire que c'est un... Il y a une zone où je vais, enfin il y a deux zones où j'essaie d'éviter au grand max d'y aller. C'est la plage. C'est, bah, certes tu peux vendre bien mais je trouve que c'est chiant. Et l'autre zone c'est la zone industrielle vers là où il y avait le quartier des Sentinelles. Parce que j'ai déjà fait de la vente par là-bas et franchement c'était chiant. Je commence à voir du monde, c'est bien. Non, mais commence pas, quoi. Hi, sis. How's Broker?
J'ai compris. On va faire ça. On va garer la caisse un peu plus haut. Hop, hop, hop. Et Yuxenfass, comment tu vas? Écoute, moi de mon côté ça va, hein. Ça va, ça va. Laissez-moi traverser là. Bah écoute, non. Bon, nique. Aïe. Oh putain, mais quelle bande de connards. Aïe 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 aïe. Oh putain, fais chier. Non, non, pas eu de soucis au niveau du chat, hein, t'inquiète, là-dessus ça va. Là-dessus ça va nickel. Bon, bah écoute, hein, on va pouvoir se barrer parce que là. Faut que j'aille à l'hosto. Ça me fait chier, putain. Faut que j'aille au saut. Ce gros coup de pas de bol, quoi, putain. Je le savais que traverser cette rue, ça allait me coûter cher. Non, parce que là, elle m'a me déplacer avec la jambe éclatée. Ah mais t'inquiète hein, si t'es pas là c'est pas grave. Hein. D'accord. Si tu peux pas être là c'est pas un souci. Hein. Je me débrouille toute seule. Hein. Un peu sans soi il y a pas énormément de monde pour le moment sur mes streams donc c'est très facile à gérer à part de temps en temps un mec qui se pointe qui balance son message enfin un bot qui se pointe qui balance son petit message à la con là.
Bon, bah écoute, on va déposer ça. Ah non, dans l'autre sens, on va déposer ça et ça. J'ai dit que ça me coûtait 300. Non, c'est 350. Non, mais vraiment. Eh, mais cette soirée, ça va être l'enfer. Hop. Ok. Donc, ouais. Bah, j'ai ce qu'il me faut là. On n'a plus qu'à aller à l'hôpital maintenant. Hein. Putain de con! Il manquerait plus qu'il y en ait encore un qui m'écrase là. Oh, bon. Et bonjour, qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait faucher par une bagnole. Tu t'es fait faucher par une voiture? J'ai bobo la jambe. Ouais. Et ben, s'il n'y a pas rien de plus urgent, tu vas me suivre. Parce que, voilà. D'accord. Ça va aller, tu as réussi à marcher? Ouais, ça va, ça va. Ça tire un peu, mais ça va. Ok. Non, mais c'est chiant, quoi. Tu traverses sur le passage piéton, ils te fauchent quand même, c'est con. Non, mais ils sont tous cons. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on a du boulot. Retire tes chaussures, attends, pendant qu'on va regarder ça. Ça va aller? Oui, ça va. Voilà. Où je m'installe ou ça va aller? Non, si t'arrives à tenir debout, au pire, non, tu t'appuies sur la table, ça devrait aller. Bon, ouais. T'as pas loupé, mais bon, y a pas l'air d'avoir grand chose de cassé, c'est juste un gros hématome. J'espère bien, ouais, j'en ai marre, moi, de cette journée. T'as déjà eu des coups dans la journée? Non. C'est juste que j'ai fait un airbag tout à l'heure en me levant. Je me suis levé, même pas 5 minutes après, je me suis pris airbag. Du coup, d'accord. Ma voiture, elle a fini aux zombies, donc j'ai été faire dodo. Et après, je suis revenu à 17h30. Je pars du zombie, je vais pour rentrer chez moi. J'arrive à 200 mètres de chez moi, mal de crâne. Hop, merci, au revoir. Du coup, ma voiture est restée là et moi, je me suis retrouvé aux zombies. T'as été blessé quelque part pendant ton airbag? Non. Non. Ouais, si l'airbag c'était au bras gauche. Bras gauche. Bon, ça m'a pas l'air d'être méchant, donc on va simplement essayer la pommade. On va voir si ça passe. Et bonjour Alistair. Mais laissez-moi aller vendre, putain. Il y a des gens dans le hall, mais c'est rien de. Il y a personne qui arrive à trouver de balles dans le hall, donc on devrait pouvoir gérer, t'inquiète pas. Oui, pas de soucis. A plus. Hop. Nickel, il y a zéro trou de balles dans le hall. Non, il y a pas de soucis, il y a des trous de balles, mais pas des gens avec des trous de balles. Il y a des trous de balles. hop, voilà. Allez, peut-être pas même, ça devrait aller mieux. Un petit antidouleur, le temps que ça passe. Celui qui a des trous de balles. Un groupe qui aime beaucoup les crânes. Je sais pas si j'ai entendu parler, eux c'est des vrais trous de balles. Skulls? J'ai pas dit.
Ouais. Bon, bah t'inquiète, j'en ai croisé un de chez eux. Ouais, ouais, c'est pas des gens très intelligents qui ne sont pas menacés de mort un médecin. Ah oui, quand même. Oui. Et ouais, bon, bah écoute, bonne info, j'irai pas traiter avec eux. Oui. Bon, et bah du coup, c'est tout bon. Un médecin. Ouais, non, si on touche à mes médecins préférés, moi j'ai pas envie de bosser avec. Hein. Bon, et bah du coup, on y va. Ouais. Bon, ça gêne encore un peu, mais ça va. Oui, bah tu fais gaffe quoi. Oui, bah. Faire gaffe en traversant. Après, tu fais gaffe, ouais, les bah forcément toi qui vas décider. Oui, c'est bien ça le problème. Ouais, non, mais bon, voilà, de toute façon, n'importe quelle voiture, parce que fait-on pas, tu fais ce qu'il faut, c'est quand c'est désert, tu fais des extensions, tu te fais pas manquer de se faire faucher par la SSP comme moi hier. Pire, c'est tout à l'heure, je me suis promené en ville, il y avait pas un seul pélos qui traînait, il y avait pas une bagnole, rien que d'elle, et puis là, il y en avait 50 000. C'est toujours comme ça. Ouais. Bon. Bon courage. Ok, bah oui, fais attention à toi. Merci. Et oui. D'accord. Il y en a qui se mettent à taper sur les médecins. Mon pote pote. C'est marrant sa voiture. Bon, est-ce que je vais pouvoir bosser en paix, putain? En fait, il y a des fois, je fais des trucs, mais je m'en rends même pas compte. Genre là, je suis parti à la Pacifique, je sais pas pourquoi. Reprenons là où nous en étions. T'as les FDO qui font de la sécurisation de G6. C'est... Ouais. Pourquoi pas? Bah oui, et puis maintenant que c'est la nuit, y a plus personne, putain. Chier. Je suis maudite. J'en ai marre. Ah bordel, j'en peux plus. Pourquoi je suis maudite comme ça, putain?
Mais c'est désert. Ça recommence, hein. La désertitude. Bon, là, du coup, ils sont dégagés, donc ça, c'est bon. Par contre, ouais, ce que j'aimerais bien, c'est que bah, y ait du monde, quoi. Hey, il y a du monde. Ça, je vous en prie. J'espère que ça va aller. Hop. Quitte. C'est bon, on peut traverser. Allez hop, on traverse.
Après, ils vont tout au même endroit, c'est peut-être, ça va pas être le bon plan, il va falloir que je bouge. Non, par contre là c'est abusé. Trouve une zone avec plus de monde alors que c'est bondé là. Vraiment. Hop, tiens. Ouais, bah, je veux pas me faire un chier pour un. Hein. Attends. Je vais faire un truc. Ça, ça. Là.
Oh. C'est bizarre comment que c'est... Comment que ça tourne. Ouais, je veux pas me mettre là. Parce que la caisse est trop visible. Là, clairement, la bagnole, elle était beaucoup trop visible. L'emplacement que j'avais trouvé là au coin de la rue de... Donc là il est pas mal mais il n'y a personne quoi. Je vais remettre la caisse là. Check vite fait dans la zone, en restant dans la zone. Parce que là, tel con, il y a les dabs que je faisais et je sais qu'il y a du monde à chaque fois ici. C'est hallucinant que ce soit désert comme ça. Ça me fait halluciner. Écoute, on va essayer de redescendre un peu du côté des mags. Peut-être que... De toute façon, il faut que je me trouve mes zones. Donc je sais que là, c'était pas mal. Mais il y a des moments où il y a des gros trous.
Voilà, à côté du côté des magasins, il y a souvent du pinch qui traîne. Sauf là, évidemment. On a deux. En fait, je crois que je vais faire simple. Je vais pas me prendre la tête. Je vais faire autour de la baraque. On va faire les choses très simples. Mais attends, parce que là j'ai le rêve. Parce que ça génère pas mal de salles. Un truc. J'en ai fait combien? J'en ai fait 25. Ouais, mais écoute, on va les faire par. On va faire des sorties de 25. On va tenter, on va bien voir. Excuse you. Bon, par contre, j'en ai ras le cul de me faire écraser. Petit chat. On compte les chats depuis l'autre qui m'a fait des dingues sur ma bagnole, ouais non.
agents of Satan. Oula. Connard. I don't mean waiting tables and walking dogs. I sing, I paint, I sculpt, I play the triangle. Come to my performance piece, okay? Et yo, Makia.
Comment il va le petit Makia? Bon, écoute, moi ça va nickel. Hein. Faut enfin faire un peu de vente. Ça change un peu des trucs habituels. Du coup, c'est cool. Ça me fait un peu de nouveauté. Ça me permet de souffler un peu. On va pas faire que de la sup. Évidemment. La petite caisse à Speedy qui passe pile à l'endroit où je me trouve. Pouah. Ouais, je pense que le petit quartier là, il est pas mal. Ça me permet de faire une petite tournée tranquille à pied sans trop me faire chier. J'ai pas besoin de sortir ma caisse au moins. Wow. Crazy. Forestville. Hop. C'est bon. On se casse. Bon, mais c'est pas mal déjà. Hey,
Bon, on va faire une petite pause là pour aller manger. Et je verrai si je relance un stream tout à l'heure ou pas. En attendant, je vous dis à plus. Thank you.